Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène sur cette grande voie du Tao pour faire rayonner la fille du soleil que nous avons dans le cœur, élever nos consciences, mieux comprendre nos énergies, mieux comprendre les énergies des autres, donc mieux comprendre le monde, l'humanité pour s'élever. Alors dans cette série de médecine chinoise, je vous apprends à voir certains signes de votre corps pour pouvoir les interpréter et suite à leur interprétation, savoir quelles énergies il faut que vous réguliez pour avoir une vie longue et en pleine santé. Ce sont des signes simples et je vous donne les signes généraux. Et je ne rentre pas du tout dans des pathologies complexes et je ne fais pas de cours d'école de médecine chinoise. Là, c'est vraiment pour que vous puissiez, vous, au quotidien, comprendre avec les signes de votre corps ce que vos énergies fabriquent. C'est vraiment à la portée de tout le monde ce que j'explique et ça vous permettra pour vous-même déjà de comprendre votre corps et ses messages, son langage, et donc de pouvoir répondre aux messages qu'il vous envoie. Et ça vous permettra également, que ce soit pour vos enfants ou les personnes de votre famille, à leur expliquer également ce que leur corps fabrique pour que le rapport au corps soit sain et que nous ne vivions pas avec un étranger qui nous fait peur quand le corps nous raconte des choses. Alors, nous voyons différents signes au fur et à mesure de ces capsules. Aujourd'hui, je vais vous parler des jambes et notamment des deux cadres qu'on peut avoir, des deux choses notables qu'on peut remarquer au niveau des jambes, c'est soit les œdèmes, soit la maigreur des jambes. Qu'est-ce que l'un ou l'autre veulent dire? Alors, les œdèmes, d'une manière générale, en médecine chinoise, il y a trois énergies qui sont impliquées. C'est le poumon, la rate et le rein. Ces trois organes-là peuvent donner des œdèmes, mais ils ne vont pas donner les mêmes œdèmes. Et les œdèmes des jambes, par exemple, ce n'est pas l'énergie du poumon qui va donner des œdèmes des jambes. L'énergie des poumons, elle va plutôt donner des œdèmes au niveau du visage. L'énergie de la rate peut être impliquée dans les jambes et l'énergie du rein. Alors déjà, comment on va faire la différence pour voir s'il faut réguler le rein, la rate ou les deux? Alors, quand on a un vide de rein, et en général un vide de yang du rein, on va avoir des œdèmes, notamment au niveau de la cheville et au niveau du pied. Alors que le vide de yang de rate va donner plutôt des œdèmes au niveau de la cuisse jusqu'au genou. Donc, si vous avez des œdèmes au-dessus du genou, donc les jambes gonflées, de la rétention d'eau, on va dire, au-dessus du genou, il va falloir que vous réguliez l'énergie de la rate. Pour ce faire, à la fin de la capsule, vous pourrez télécharger un e-book qui vous donnera les bases pour réguler les énergies des différents organes, dont la rate. Et si vous voulez aller plus loin que simplement des conseils de base que je vous donne, eh bien, je vous invite à aller consulter un thérapeute en médecine chinoise pour réguler votre énergie de la rate ou à me consulter moi. Vous pouvez me faire un mail à isabelle@centre-tao.com pour me demander comment faire si vous voulez un rendez-vous avec moi. Alors, on a vu pour l'énergie de la rate, c'est plutôt de la rétention d'eau ou des œdèmes au-dessus du genou. Alors quand il y a le yang du rein qui va être impliqué, à ce moment-là, il va y avoir le pied, la cheville, le mollet. Ok ? Si vous avez de la rétention d'eau et des œdèmes sur toute la jambe et même le pied, eh bien alors là, vous avez les deux organes impliqués, la rate et le rein. Il va donc falloir réguler votre énergie du rein et réguler votre énergie de la rate parce que sans ça, vous n'en sortirez pas. On peut toujours, bien sûr, faire des soins du drainage, de la pressothérapie. C'est très bien, ça aide à drainer. Mais tant que vous ne régulerez pas vos organes rate et rein, l'eau reviendra. En gros, c'est la rate qui fabrique de l'humidité parce qu'elle est fatiguée, donc elle fabrique de l'eau. Et l'eau, c'est lourd, donc ça descend dans les jambes.
Et le yang du rein, normalement, lui, doit remonter l'eau. Et comme il n'arrive pas à remonter l'eau, eh bien, l'eau, elle continue à descendre jusqu'en bas. Pour vous donner une image, pour vous dire, ah oui, donc j'ai des œdèmes des pieds, il faut absolument, j'ai des pieds gonflés. Alors, je ne vous parle pas du pied gonflé le jour où il fait extrêmement chaud et humide. Non, non, je vous parle d'une personne qui a les pieds gonflés et œdémateux en permanence. Alors, il peut y avoir une autre cause d'œdème. Ça, c'est la plus fréquente. Mais on peut avoir aussi des œdèmes aux jambes dus à une stagnation d'énergie ou à une stagnation de sang. L'énergie et le sang circulent mal. Et comme ils circulent mal, ils stagnent. Et donc, quand l'énergie stagne, déjà, ben, c'est un peu comme le yang du rein, ça ne circule pas, donc ça ne peut pas emmener les liquides. Hein, c'est l'énergie qui va emmener les liquides ou le sang. Et puis, ça peut être aussi une stagnation de sang. Et en gros, le sang tombe dans les jambes et il y a une partie du sang qui passe dans les vaisseaux et qui va donner ses œdèmes. Alors, comment reconnaître les deux? C'est important, ça. Alors, quand on a un vide de yang de la rate, déjà, on va avoir plutôt froid, on aura les jambes froides, on sera frileuse, on aura un pouls plutôt lent. Et ça va... quand on va appuyer aux endroits des œdèmes, ça va faire le signe du godet. Alors le signe du godet, ça veut dire qu'on appuie sur l'œdème et le trou, il reste un peu avant de revenir normal. Ça, c'est le godet. Alors que quand on a des œdèmes qui sont dus à de la stagnation de chi et de sang, à ce moment-là, il n'y a pas de signe du godet. On appuie, ça revient tout de suite. C'est blindé, en fait. Alors... on peut traiter donc l'énergie de la rate et du rein quand on a des œdèmes dus à la rate et au rein. Quand on va avoir de la stagnation de chi et de la stagnation de sang, il va falloir travailler spécifiquement sur l'énergie, et en général c'est l'énergie du foie, et sur le sang, et il va falloir trouver quelle est la cause qui fait que le sang circule mal. Il y a différentes causes possibles. C'est pour cela que, dans ce cadre-là, je vous invite vraiment à aller consulter un thérapeute ou à faire des études de médecine chinoise complètes. Et vous pouvez d'ailleurs aussi aller sur mon site www.centre-tao.com parce que sur ce site, il y a des informations complète en étant concise sur la médecine chinoise, sur la voie du Tao. Et puis dans l'onglet formation, je propose des formations qui sont très accessibles pour tout le monde parce que j'explique tous les syndromes de médecine chinoise exactement comment je vous parle, comme je vous parle. Et puis, on apprend à faire ses propres bilans vraiment d'une manière très complète, et puis à savoir dans quel cas on utilise telle plante de pharmacopée chinoise, où les commander, quelle recette de diétothérapie chinoise, quel point d'acupuncture, et d'acupression, et en qigong, quels exercices faire. Donc tout ce que la médecine chinoise propose, on les trouve dans ces formations, donc sur mon site centre-tao.com. Sinon, donc, vous pouvez télécharger l'e-book que je vous ai donné. Il y a une autre chose aussi, si vous avez donc les jambes qui ont tendance à maigrir, à ce moment-là, quand on est plutôt jeune, ça signe un vide de sang en général. Le sang ne nourrit pas assez les jambes et donc elles s'atrophient. Et c'est un signe important à prendre parce que si votre corps ne fabrique pas suffisamment de sang, quelle que soit la cause, et qu'il nourrit mal vos tissus, et que vous en avez même une atrophie des jambes, ça veut dire que votre vitalité va être de moins en moins bonne, et que votre vie va être raccourcie. La vie, c'est le sang et l'énergie. Sans sang, on n'a plus d'énergie, parce que l'énergie s'accroche dans le sang. Donc moins on a de sang, moins on a d'énergie. Ça peut être aussi dû à un vide de yin, c'est-à-dire un vide de liquide. Alors, je le dis parce que les femmes que je rencontre souvent, qui ont donc des jambes qui s'atrophient, qui sont très maigres, elles ont souvent une bonne énergie et elles ne me comprennent pas quand je leur dis ben, « attention, il faut absolument nourrir votre sang et votre yin pour nourrir vos tissus et pour reprendre un petit peu de volume ». Parce que là, dans ce cas-là, on voit qu'il y a un vide de sang, un vide de yin, et donc que votre vie sera moins bien et moins longue. Et
En fait, quand il y a un vide de sang et surtout un vide de yin, c'est-à-dire un vide de liquide organique, eh bien, le corps est déshydraté et sur cette déshydratation, il y a une chaleur qui se développe et cette chaleur-là, elle agite la personne et elle donne une fausse impression d'énergie parce que on est nerveuse, on est même un peu agité, mais on a l'impression qu'on est pleine d'énergie, qu'on déborde d'énergie. Et si on calme cette chaleur qu'on appelle une chaleur vide en médecine chinoise parce qu'elle se développe sur un vide de liquide, un vide de yin, bien si on calme cette chaleur, la personne est complètement à plat. Parce que justement, cette espèce de chaleur nerveuse, si je puis l'appeler ainsi, disparaît et là, elle fait place au vide qu'il y a derrière. Et quand ça fait place au vide qu'il y a derrière, là, on peut prendre conscience que la vitalité est vraiment atteinte. Donc, si vos jambes ont tendance à être très maigres, à vraiment s'atrophier, eh bien, faites attention et régulez votre énergie du foie et des reins, et notamment le sang du foie et le yin des reins. Alors, quand on est plus jeune, ça peut être simplement un vide de sang du foie, et plus on avance en âge, hein, les vieilles personnes qui s'atrophient, qui deviennent toutes maigres, là c'est un vide de yin, un vide de matière, et là il faut donc vraiment traiter le yin du rein plus on avance en âge. Plus jeune, on voit avec les différents signes des différents organes que vous pouvez voir soit en saison 1 de cette chaîne sur la médecine chinoise, vous allez dans la playlist médecine chinoise et vous regardez le rein, le foie, etc. Je donne les bases qui vous sont nécessaires et utiles, soit en téléchargeant l'e-book. Donc l'e-book, à la fin de la vidéo, il y a un template qui s'affiche avec un bouton télécharger le bonus, vous cliquez dessus et vous pourrez télécharger le bonus. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le logo du Centre Tao ou en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met en bas des vidéos. Et puis vous pouvez partager cette vidéo évidemment pour en faire bénéficier un plus grand nombre, car comme je le disais au début de cette capsule, plus nous serons nombreux et nombreuses à nous connaître, à nous comprendre, à connaître et à comprendre les autres, mieux nous nous porterons. Et donc le partage est une valeur fondamentale dans le taoïsme et dans la philosophie de la fille du soleil qui est dans votre cœur. Donc vous cliquez sur la flèche partager, vous faites un copier-coller avec le lien que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux ou l'envoyer à des personnes, notamment bien évidemment à des personnes qui ont des œdèmes, des pieds, des mollets ou des cuisses ou des trois, ou à des personnes qui ont des jambes qui ont tendance à être trop menues. Maintenant vous savez quel signe se cache derrière et à l'intérieur d'une personne qui est dans cet état-là, il y a des choses à faire. On se retrouve bientôt pour une autre capsule qui vous permettra de décoder votre corps et vos énergies, et le corps et les énergies des autres. À bientôt, ciao.